Aujourd'hui, je te montre comment fonctionne cet appareil. Donc, c'est le Pléomax 30DLX à compact argentique, tout automatique. Pour fonctionner, il a besoin de deux piles LR3 ainsi que d'une pellicule 35 mm. Donc, on va d'abord mettre les piles. On ouvre le boîtier. Donc, on se retrouve comme ça. On prend la pellicule et on l'insère juste dedans comme ça. Voilà, pas besoin de forcer. Et on tire le film jusqu'au bout de l'appareil. Et là, je vais le rentrer dedans. Hop, on peut vérifier avec les mains comme ça, d'appuyer pour être sûr que les petits crochets vont bien dans les perforations du film. Juste ici. Et à ce moment-là, on peut refermer. On ouvre ici. Et au niveau du compteur de vue, tu vois que tu es sur le petit S. Il va falloir avancer le film jusqu'à la vue numéro 1. Donc tu prends 3 photos et tu arrives sur le 1 ici, juste en bas. Et à partir de là seulement, tu peux prendre tes vraies photos. Donc tu y vas jusqu'à la fin de la pellicule, sachant qu'il y a 36 poses. Donc à la 36e photo... Tu verras comment on peut rembobiner cette pellicule. Donc là, comme tu entends le bruit, c'était la dernière vue. Pour le rembobiner, tu vas en bas. Tu as ce petit bouton. Il faut simplement le switch vers l'opposé. Et ça va rembobiner ta pellicule. Tu vois le compteur de vue qui va dans l'autre sens. Donc là, il fait le travail tout seul. Et une fois que tu seras arrivé sur le petit S de nouveau, la pellicule sera rembobinée. Tu pourras récupérer dans le boîtier. De toute façon, ça s'arrête tout seul. Tu n'as rien besoin de faire. Donc là, c'est tout bon. On voit le petit S. Il s'est arrêté. On peut l'éteindre et récupérer notre pellicule juste ici, bien rembobinée. Et voilà.